On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour la 5e préparatoire au Prix d'Amérique, le Prix de Bourgogne, 2100 mètres Autostar, avec le retour de Davidson Dupont présenté mode course. Un beau quintet, très sympa. À mon avis, la 3e B va être une vraie course, à la différence des deux premières B qui ont été un petit peu des courses pas très fortes ou pas très belles à l'image des B qu'on connaît. Je vous mets ici les 8 qualifiés déjà pour le Prix d'Amérique, donc les 3 premiers du Bretagne, les 3 premiers du Bourbonnais, le qualifié du Continental, le crack Jeudéré-Pré et Ferréoud, la gagnante du Ténor de Beaune. Voilà, vous pouvez rajouter les 3 plus riches à l'heure actuelle du meeting d'hiver qui sont Billy de Montfort, Davidson Dupont et Vitruvio. Voilà, on va démarrer de suite les bases de jeu pour ce quintet. Mon gagnant sera le numéro 9, Fastem Bourbon, mal loti derrière les ailes de l'Autostar. Il a été battu qu'une seule fois sur ce tracé-là dans le Prix de France avec la Maestria de Jean-Michel Bazir avec Davidson Dupont. Un cheval qui a marché 3 fois moins de 10 sur les 2100 mètres Autostar ou 2200 mètres départ volté. Si le cheval nous refait sa course comme le Marcel Laurent, marchant moins de 10, je sais pas qui c'est qui va le devancer. Maintenant, avec le 9, il va être obligé de temporiser les 500-600 premiers mètres. Ça lui changera un petit peu les idées. Et ensuite, arrivé en pleine, il fera parler la classe. Deuxième base, le numéro 14, Drôle de Jet, course visée depuis de nombreux mois. Un cheval qui adore les parcours de vitesse. Deuxième de Fastem Bourbon dans le René Balière. 3 sur 4 sur le tracé, ça fait 2 fois qu'il montre du mieux. Lui, par contre, il va sortir vite et il va faire avancer la course. Il doit pouvoir prendre son billet demain et finir au minimum dans les 3 premiers. Le challenger, le numéro 5, Davidson Dupont. Ça y est, on lui enlève les baskets. Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. Donc on va enfin voir ce qu'il a sous les sabots. À l'heure actuelle, pour l'instant, j'ai rien vu. Voilà, à l'image de Béinage Osselin l'année dernière où je voyais des choses, lui pour l'instant j'ai rien vu. Vous avez vu, moi j'ai rien vu. Mais si le cheval nous remontre son vrai niveau, il doit jouer largement sa place dans le couplet gagnant. Premier outsider, le 4, Vivid Waisas, un cheval qui a beaucoup de classe. Gocciadoro qui se remet au Julki, 3e de la loterie derrière Zakonjo et Fastem Bourbon. Donc la ligne est bonne, bien évidemment, a déçu dans le Grand Prix des Nations la course suivante. Il s'est qualifié dans cette course l'année dernière avec le 11 et Burn Group. Là, il aura le 4 et Gocciadoro. Mais sur ce que le cheval sait faire, attention, il peut jouer sa place dans les 3, voire dans les 5. Deuxième outsider, le 6, Delia du Pomereux, on lui colle David Thomas. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas si Ivar a eu le choix des drives, donc je n'ai pas l'information. Elle, plus ça ira vite, mieux ce sera. Elle a déjà bien fait sur les parcours de vitesse, et si David Thomas arrive à s'en servir, elle peut jouer sa place dans les 5. La suite du pronostic, la craque, le numéro 2, Billy de Montfort. Quand on a 2 400 000 euros de gains, dans une génération comme les B, Bellissima France, Billy Billy, Bold Eagle, Bird Parker, Béinage Osselin, Briad Dark. Excusez-moi du peu, ça ronfle. Billy Billy vient de gagner le Grand Prix des Nations. Gabi Germini qui est dessus. Elle a déjà son billet vis-à-vis de ses gains. Mais gardez-la dans un jeu parce que franchement, elle m'épate de course en course. 7e place, le 12, Fric du Chêne, que j'ai longuement hésité. Pour le 2e outsider, c'est Franck Nivard qui est dessus. Il vient de faire une bonne course dans le Ténor de Beaune. Adore les parcours de vitesse. Adore quand ça va vite. Redoutable finisseur, attention. Et je termine avec l'As, Bayakeno. A déjà son billet, va subir la course, reste ferré.
Mais vu que c'est une jument qui met toujours son cœur sur la piste, mettez-la dans une sélection, ça se garde. En cas de non partant, le numéro 3, Chicajoud, par Alain Laurent, dit le maître, ne sera pas sur son parcours préférentiel, peut-être plus en vue dans le prix de Belgique. Voilà, maintenant mettez-la parce que c'est une jument qui a de la classe, mais vu que ça va aller vite vite, j'ai peur que ce tracé-là ne soit pas à son avantage. Mes deux impasses, le 8 et Feeling Cash, rendez-vous dans le Cornulier, je vous l'annonce. Et le numéro 15, Looking Superb, a priori lui aussi vise le Cornulier. Avec le 15, je pense qu'on peut le rayer. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, ben, nous démarrons bien l'année et c'est toujours bon. Démarrer par des victoires, ça fait toujours plaisir. En réunion 1, course 7, le numéro 5, inoubliable, donc avec notre concurrente qui court pas, Icône de Castel, donc ça se bombardait facilement à la gagne, qui s'impose, donc très très bien. Rien à dire sur la drive et sur la jument. Le premier jeu du jour, Enemy en réunion 1, course 1, le 7, deuxième, Raffin qui a pris son temps pour le démarrer, un cheval qui a qu'un seul train, il n'est pas resté derrière comme un âne, il est venu et il a fait parler sa classe, on est toisé au poteau, donc le cheval commence à prendre son métier du bon sens, déférer des postérieurs, un fils de Bart Parker, c'est super. Nous espérons un coup de deux au jeu du jour et au CDJ. Pour Firecracker, une info à savoir, donc je mets la vidéo bien avant pour que vous ayez l'information. A priori, ils essaieraient de courir le prix de la Côte d'Azur, fermé à 305 000 euros au premier échelon. Ça veut dire qu'aujourd'hui dans le Quintet, s'il fait premier ou deuxième, il sera au 25 mètres. S'il fait troisième, il partira en tête de la course. Alors, info ou intox, je ne sais pas, je vous donne l'information, à vous d'en faire ce que vous voulez. Dimanche 3 janvier, en réunion 1 course 5, le numéro 4, Dick de Marlboro, 5 gagnants, 20 placés, un cheval que je suis depuis de nombreux mois, Matt Abrevard, driver entraîneur qui a trouvé les boutons, déféré des 4, c'est une vraie voiture de course, il vient de me montrer ce qu'il fallait me montrer dans le 2100, le 7 décembre, dans la course de Diplomate Dame, Dorado Bello, donc deux chevaux qu'on répétait hier dans le Quintet, donc la ligne est bonne. Faut faire attention à Démocrate qui a le numéro 1 et qui va faire tête et corde et un degré moindre Domingo Della qui a le numéro 9. Voilà. Mais si le cheval fait sa course, pour moi c'est 1 ou 2. Le jeu du jour, dimanche en réunion 1 course 9, le 11 gravure de mode, Jean-Michel Bazir, driver entraîneur, une jument que j'ai pris l'année dernière pendant le meeting d'hiver, une fois payé, une fois au bois. C'est une course sûrement visée, c'est la plus riche, c'est un lot de femelles. Faut faire attention à Gaëlle Guérinière qui va être la concurrente la plus dure à battre que vous connaissez. Voilà, maintenant gravure de mode, je pense que c'est sa course et elle doit au moins finir dans les trois de cette course-là. Voilà les amis, j'ai tout dit. On se dit à ce soir pour le live dans une petite dizaine d'heures. Et je vous souhaite encore les meilleurs vœux pour l'année 2021. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos likes. C'est sympa et surtout, n'hésitez pas de recommencer. Voilà, merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's